Je suis Marc-Olivier Fréjeau, étudiant au doctorat en pharmacologie à l'Université de Sherbrooke. C'est moi qui étais à la tête du comité organisateur de la Journée Phare 2012. Donc, qu'est-ce que c'est la Journée Phare? Bien, la Journée Phare, c'est un congrès provincial de pharmacologie. Donc, une fois à chaque année, tous les intervenants du domaine de la pharmacologie au Québec vont se réunir ici à Hufford pour discuter de sciences, pour discuter de pharmacologie et de leurs plus récentes découvertes. Donc, la Journée Phare, c'est plus de 250 participants d'un peu partout, donc de Montréal, de Québec, de Sherbrooke, de tous les centres de recherche, puis vraiment dans le but d'échanger leurs sciences. Donc, il y a des séances de présentation par affiche, des conférenciers invités internationaux, des étudiants qui vont présenter leurs résultats oralement. Donc, tout ça mis ensemble fait que les gens vont échanger de la science, puis également construire un réseau de contacts, une chose qui est vraiment très importante aujourd'hui, avec la compétitivité dans la recherche pharmaceutique. Donc, c'est une journée conviviale où tout le monde est sur un même pied, que ce soit des étudiants du premier cycle, des étudiants gradués, les chercheurs, les professionnels de recherche, tout le monde est ensemble, puis tout le monde a un même objectif, c'est de faire avancer la science, puis d'aller encore plus loin. Okay, it's a new world, and it's a fun world.